les fonctions du chromosome. Alors, les fonctions du chromosome, c'est un peu les fonctions d'ADN, hein, puisque la molécule principale de l'hérédité, c'est l'ADN. Et donc, la fonction du chromosome, c'est un peu les fonctions d'ADN, c'est-à-dire le stockage, la transmission. La transmission, c'est la réplication. L'expression, c'est la transcription. Et le stockage, c'est le fait qu'il y a l'ADN. Donc, stockage, expression et transmission de l'information génétique. Ça peut se résumer en une seule phrase. C'est le stockage, la transmission et l'expression de l'information génétique ou du patrimoine héréditaire. Stockage, transmission et expression de l'information génétique. Alors, maintenant, on vous demande de connaître le principe et le délai approximatif de réalisation d'un karyotype humain. On vous demande le principe. On ne vous demande pas la technique. Le principe. On ne vous demandera pas de connaître la concentration de sérum de veau fœtal dans le milieu de culture pour faire un karyotype, mais on vous demande de savoir qu'il y a un milieu de culture, par exemple. Le principe. Alors, pour le principe de faire un karyotype, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir d'abord quelles sont les cellules utilisées. Quelles sont les cellules utilisées pour faire un karyotype? De façon générale, une cellule pour faire un karyotype, elle doit être comment? Elle doit être capable de se diviser. Donc le karyotype se fait sur des cellules capables de se diviser. Attends, peu importe quelles sont les cellules. En routine, qu'est-ce qu'on utilise? Alors en routine, on utilise les lymphocytes. T ou le B? Pourquoi pas B? Est-ce que les lymphocytes B se divisent? Les lymphocytes B ne se divisent pas, se différencient en plasmocytes. Donc les lymphocytes T. Hein? En postnatal. En postnatal. Les lymphocytes ont T. Alors, pardon, les fibroblastes. Voilà. Les fibroblastes. Alors, les fibroblastes, le meilleur moyen de les trouver, c'est où? C'est dans la peau. Le plus simple. Hein. On désinfecte la peau. On désinfecte la peau avec de l'éther et de l'alcool. Souvent, on utilise la face antérieure de la membrane. On désinfecte. On utilise une pince stérile. On soulève la peau avec une pince stérile. On soulève un peu la peau, 1 mm. Hein. Et puis avec une lame de bistouri, on fait ça. Et on a 1 mm de peau stérile, qu'on pose dans un tube où il y a un milieu de culture. C'est ça le prélèvement de peau pour cultiver des fibroblastes. Et puis après, vous n'avez même pas besoin de faire ni point de suture, ni pansement, ni rien du tout, ça se cicatrise. Vous pouvez mettre un petit pansement, mais ça cicatrise. Fibroblastes. Alors, quoi encore? La moelle osseuse, c'est vrai, mais on ne va pas prélever une moelle osseuse quand même pour faire un karyotype chez un individu sain. Hein? Non, ça serait trop méchant. On fait un prélèvement de moelle quand on veut faire un karyotype sur moelle, principalement dans les leucémies. Et ça, ce n'est plus de la cytogénétique constitutionnelle. Ça devient de la cytogénétique acquise, une anomalie acquise. C'est hors sujet pour votre résidanat. On ne vous demande pas de connaître la cytogénétique oncologique, on vous demande de connaître la cytogénétique constitutionnelle. Oncologique, c'est-à-dire faire un karyotype sur des cellules tumorales pour voir quel remaniement chromosomique il y a pour cibler le traitement. Ce n'est pas votre sujet. Alors, chez la femme enceinte, en prénatal, qu'est-ce qu'on utilise? Le trophoblast, bien sûr. Le trophoblast, c'est un tissu qui se divise très vite. On utilise le liquide amniotique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le liquide amniotique? Quelles sont les cellules qui tournent dans le liquide amniotique? Est-ce qu'il y a des cellules dans le liquide amniotique? La preuve, on utilise pour faire un karyotype. C'est des cellules en plus qui se divisent. Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme cellules, d'après vous? Il y a des gynécologues qui ne savent pas. Les gynécologues ne savent pas ce qu'il y a dans le liquide amniotique. Comment un gynécologue, il est venu nous dire de travailler sur des lymphocytes,
liquide amniotique. Comme si dans le liquide amniotique, il y avait une hématopoïèse active. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules fœtales, desquamées, qui tombent dans le liquide amniotique. Desquamées à partir de la peau, à partir de la cavité buccale, à partir du tractus urinaire, à partir de l'estomac ou l'œsophage du bébé. Des cellules desquamées, parce que vous savez, le bébé il pisse dans la cavité amniotique, puis après il boit ça, il régurgite, etc. Il n'a pas d'autre endroit. Mais les urines du fœtus ne sont pas toxiques. Non seulement stériles, mais rien n'est toxique dans les urines du fœtus, puisque tout ce qui est toxique, il est pris par le placenta. D'accord ? Les reins chez le fœtus, c'est pour l'équilibre hydroélectrolytique. Ce n'est pas pour éliminer les choses toxiques. Les choses toxiques sont éliminées déjà au niveau du placenta. Hein? Donc, régurgiter ou pas régurgiter, ça n'a aucune espèce de gravité. Donc, les cellules desquamées, c'est des cellules qui tombent, mais qui restent vivantes, qui peuvent se diviser quand même. Voilà. Adoulons les cellules. Deuxième élément, le prélèvement. Alors, le prélèvement doit être fait stérilement. C'est tout ce que vous devez savoir. Le prélèvement doit être fait stérilement. Si vous infectez votre prélèvement, vous échouez le caryotype. Il y a plusieurs étapes dans le caryotype. Vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Et chaque étape est importante. Parce que si vous échouez une étape, vous échouez tout le caryotype. Deuxième ou troisième phase, c'est la mise en culture. La culture. Il faut cultiver. Alors, on cultive pourquoi ? On cultive pour avoir un maximum de cellules. Donc, pour avoir un maximum de cellules en division et pour avoir un maximum de caryotypes pour faire une analyse à l'aise. Bon. La culture cellulaire. Alors, trois ou quatre principes de la culture cellulaire. La culture cellulaire doit se faire kif-kif stérilement. C'est-à-dire que ça revient, il faut travailler stérilement. Ça se fait à 37 degrés. Alors, si vous travaillez à 36,5, 0. Si vous travaillez à 37, 2, 0, ça doit se faire à 37 degrés, sous 5% de CO2. Alors, je vous donne ce détail, parce qu'il y a le pH qui est important dans la culture cellulaire. C'est toujours le principe, hein? 5% de CO2, c'est-à-dire les tubes où vous mettez vos boîtes et connectez à l'aide d'un tuyau avec une bouteille de CO2. Cette tube a un cerveau électronique qui dose le CO2 à l'intérieur de la machine, et si le CO2 tombe, la machine aspire à partir de la bouteille du CO2, de telle façon que dans les tubes, le pourcentage du CO2 reste toujours égal à 5%. C'est le pH optimum pour la culture cellulaire. C'est notre pH dans notre organisme. Il faut un milieu de culture adéquat, évidemment, suffisamment riche pour cultiver les cellules. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans un milieu de culture, parce que ça devient trop compliqué pour vous. Mais je dis adéquat pour les cellules que vous utilisez. Ce n'est pas le même milieu, par exemple, pour le liquide amniotique et pour les lymphocytes. Parce que ce n'est pas les mêmes exigences des cellules. Il y a des cellules qui ont besoin par exemple, de glutamine. Il y a d'autres cellules qui ont besoin de plus, par exemple, d'albumine. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est la mise en culture. Alors, pour les lymphocytes, sachez que les lymphocytes T se divisent à l'aide ou grâce à une lectine végétale qui s'appelle la phytohémagglutinine. Ça, on peut vous poser une question là-dessus. Il y a une molécule qui s'appelle la PHA, la phytohémagglutinine, qui stimule la division des lymphocytes T. Alors pourquoi on est obligé d'utiliser ça? Pourquoi je vous donne ce détail? Parce que personne ne m'a dit que les lymphocytes T ne se divisent s'il y a une stimulation antigénique cellulaire. Vous savez que les lymphocytes T, c'est dans l'immunité cellulaire, tissulaire, dans les rejets de greffe. Or ici, vous n'avez pas une greffe à rejeter. Dans un tube à essai, vous allez cultiver des lymphocytes. Comment ces lymphocytes vont se diviser s'il n'y a aucune stimulation antigénique? Pas possible. Alors, par hasard, on a découvert cette molécule végétale qui
pousse comme si c'était une greffe qui pousse les lymphocytes à se diviser. Voilà, donc c'est la culture cellulaire. Ça, c'est la culture. Alors, le temps de la culture, la durée. Alors, la durée de la culture. Pour les lymphocytes, c'est 72 heures. 3 jours. 3 jours pour les lymphocytes. Mais pour le trophoblast, les fibroblastes et le liquide amniotique, alors le temps de la culture, il varie. Il varie en fonction de beaucoup de choses. Et en particulier en fonction du milieu utilisé. Alors je vais vous dire approximativement, je vais dire entre 2 et 3 semaines. Entre 2 et 3 semaines. Il y a des milieux qui font pousser très rapidement les cellules. Il y a des milieux qui sont moins chers et qui font diviser très lentement les cellules et donc ça prend du temps. Il y a un milieu qui s'appelle le Chang, qui est utilisé par les Américains, qui permet d'avoir une culture finie au bout de 10 jours, même pas. Nous utilisons du RPMI, qui permet d'avoir une culture de 2 semaines, de 3 semaines. La différence de prix, c'est 10 fois. 10 fois le prix. Le Chang coûte 10 fois plus que le PMI. Étant un pays modeste, on ne se permet pas le Chang, on utilise le PMI, moyennant une durée un peu plus longue. La femme va attendre 3 ou 4 jours de plus, mais pas catastrophique. D'accord ? Ça, c'est le temps de la culture. Après la culture, on arrête la culture. Arrête la culture par la colchicine. La colchicine, c'est un poison de diffusion automatique qui permet d'arrêter la division en métaphase. Le temps suivant, c'est le choc hypotonique. Alors, le choc hypotonique, parce qu'il faut extraire les chromosomes. D'accord ? Alors, le choc hypotonique, chaque laboratoire a son choc. C'est un milieu hypotonique. Il y a des labos qui travaillent avec du KCL. Des labos qui travaillent avec du citrate sodium, des labos qui travaillent avec d'autres choses, l'eau distillée. Nous travaillons avec tout à fait autre chose. Chaque laboratoire a ses petites astuces. Nous, c'est du sérum de veau très très dilué. On dilue le sérum de veau à 5%. Et ça nous fait un très très bon milieu de choc. Étape suivante, fixation. Il faut fixer les chromosomes une fois extraits par le choc. On les fixe en utilisant un fixateur. Alors pourquoi on fixe? Parce qu'il y a des protéines. Comme il y a des protéines, si vous ne fixez pas les protéines, qu'est-ce qui se passe? Les protéines sont dénaturées, ça va pourrir, hein? Et puis vous n'aurez pas de chromosomes. Donc on fixe les chromosomes à l'aide d'un fixateur. Ici aussi, chaque labo a son fixateur. Nous utilisons du méthanol et de l'acide acétique mélangé. Il y en a qui utilisent d'éthanol. L'essentiel, c'est que ça fasse une bonne fixation. Troisième ou quatrième ou sixième ou dixième étape. Non, avant la coloration. Jusque-là, qu'est-ce qu'on a? Jusque-là, nous avons un tube ou une boîte, un tube, où il y a une solution de fixateur qui contient des chromosomes. Chromosomes fixés. Alors, les chromosomes, c'est les 46 chromosomes. Ça, c'est 46 chromosomes. Ça, c'est 46 chromosomes. Ça, c'est 46 chromosomes, etc. Et à l'intérieur de ce liquide, de ce fixateur, il y a tout ça. Il y a des dizaines, des centaines de cellules en métaphase. Vous allez me dire pourquoi les 46 sont ensemble. Parce que la colchicine, elle coupe le fuseau métachromatique, mais elle ne coupe pas les fibres qui relient les chromosomes. Parce qu'il y a des fibres interchromosomiques, il y a des fibres intrachromosomiques, et il y a le fuseau métachromatique dans une division cellulaire. La colchicine, elle coupe le fuseau, mais elle ne coupe pas les fibres intrachromosomiques ou interchromosomiques qui permettent de garder les 46 chromosomes ensemble. Donc on a dans ce tube ces mitoses-là, il faut les étaler sur une lame. Alors ici, l'étalement, étape suivante, donc l'étalement. Alors l'étalement, c'est une étape cruciale. C'est la
plus difficile et la plus importante étape, à mon avis, pour faire un karyotype. Pourquoi? Parce que maintenant, on va les étaler sur la lame. Si on les étale mal, les chromosomes vont être l'un sur l'autre. Vous ne pouvez plus les distinguer. Donc, il faut les étaler de telle façon que les chromosomes soient distincts, les 46. Chaque chromosome est visible et analysable. Et en plus, après, pour les dénaturer, il faut que la longueur des chromosomes soit bonne, etc. Donc, l'étalement est une étape importante. Alors, vous étalez, vous allez mettre sur votre lame ces chromosomes-là. Voilà. Plusieurs 46 chromosomes, plusieurs fois. Alors, des fois, vous avez une cellule qui n'est pas éclatée, c'est pas grave, ou qui n'est peut-être pas en métaphase, vous ne les regardez pas, regardez ces mitoses. Alors, cette étape nécessite en particulier une température et une humidité très précise, et ça dépend vraiment des laboratoires. Il y a des laboratoires qui étalent à 35% d'humidité, il y a d'autres qui étalent à 45%, à 60%, chaque laboratoire. Un laboratoire qui est au bord de la mer, c'est un laboratoire qui a beaucoup de difficultés d'étalement parce qu'il y a beaucoup de vapeur. La vapeur de la mer empêche un bon étalement des chromosomes. Donc on fait de l'acrobatie, on sèche le laboratoire, on met un peu de benzène, il y a des chambres climatiques utilisées pour ça. C'est très artisanal le karyotype. Et quand les gens qui font, pendant les techniciennes qui font le karyotype, elles savent, disent aujourd'hui il y a de la pluie, donc on va avoir beaucoup d'humidité, donc on va avoir un problème d'humidité, on va sécher le labo, on va sécher la salle, des choses comme ça, tu vois. C'est très artisanal. Voilà, donc ça c'est l'étalement. Après l'étalement, il y a la dénaturation. La dénaturation. Alors la dénaturation, c'est-à-dire le fait d'obtenir les bandes. Les bandes R et les bandes G, hein. La dénate, voilà. La dénate, c'est pour avoir des chromosomes dénaturés comme ça. Ça, c'est des chromosomes dénaturés. Alors, la dénaturation, il y a deux types de dénates. Une dénate chimique avec de la trypsine, c'est pour avoir les bandes G. C'est-à-dire, vous trempez votre lame dans de la trypsine pendant quelques secondes. Et puis après, vous rincez. Quand vous rincez, l'effet de la trypsine s'arrête. Alors, vous obtenez ces bandes-là. Ça, c'est des bandes G. Ce que vous voyez ici, sur le transparent, c'est des bandes G. C'est des bandes qui sont riches en adénine thymine. Les bandes qui sont noires ici, c'est des bandes G. C'est les régions qui sont riches en adénine et en thymine. Et l'autre façon de faire, c'est une dénaturation à la chaleur. C'est ce que nous faisons dans nos tableaux. Nous faisons une dénaturation à la chaleur, à 87 degrés Celsius. Ce n'est pas 87,5, hein, c'est 87. Pour avoir un bain-marie précis, très précis. On dénature pendant quelques minutes, on colore, et ça donne l'inverse de ces bandes-là. Tout exactement l'inverse. Et ça sera les bandes R. On les appelle les bandes R. Alors les bandes R, ce qui est noir ici, ça sera clair, et ce qui est clair sera noir. Tout à fait l'inverse. Et c'est des bandes qui sont riches en guanine, cytosine. Les bandes R, c'est reverse en anglais, c'est l'inverse des bandes G. Parce que les bandes G qui ont été découvertes la première fois, les bandes R, c'est venu après, mais toutes c'était dans les années 70. Et aujourd'hui, les Américains font des bandes G, et les francophones font des bandes R. Mais ceux qui font des bandes R parce qu'ils sont habitués à le faire, pas de problème. Ceux qui font des bandes G parce qu'ils sont habitués à le faire, pas de problème. L'essentiel est de savoir interpréter les chromosomes, et de savoir regarder toutes les bandes sur les 46 chromosomes. Alors, sur un karyotype humain, il y a 500 bandes. 500 bandes, et chaque bande fait à peu près 5 mégabases. 5 millions de paires de bases. Et le cytogénéticien est obligé de regarder les 500 bandes une à une quand il analyse. C'est pour chercher des anomalies chromosomiques. Il peut y avoir une bande qui manque. Il peut y avoir une bande qui est dédoublée. Il peut y avoir une bande qui n'est pas à sa place.
Donc, c'est une technique artisanale qui demande une vigilance et une observation, très bonne observation. C'est des habitudes. Il y a des labos qui sont habitués au bandier, il y a des labos qui sont habitués au bandier. Moi, je préfère les bandes 1. Pourquoi je préfère les bandes 1? Parce que regardez les extrémités des chromosomes. Regardez les extrémités. Les extrémités ne sont pas colorées. Donc, c'est difficile de les analyser. En bande 1, c'est l'inverse. Donc, ça sera noir. Quand les extrémités des chromosomes sont noires, je préfère parce que je vois les limites du chromosome et ça me permet de mieux voir des translocations ou des inversions. Mais les gens qui sont habitués au bandier, ils vous disent, nous sommes habitués, nous préférons les bandiers et on est mieux avec les bandiers. Bon. C'est pas grave, c'est une question d'habitude, c'est tout. D'accord? Voilà, donc les 500 bandes, c'est 500 voilà. Bandes Non. Par exemple, le chromosome 11, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bandes. Il y a 13 bandes sur le 11. Il y a 5, 8, 12, 19 bandes sur le chromosome 6, etc. Donc il y a 500 bandes sur les 46 chromosomes. Hein? En général, les femmes se débrouillent bien pour regarder les bandes. Non, parce que les femmes ont une... Elles sont, comment on dit, dans la description, elles sont meilleures que les hommes. Dans le fait de regarder des choses fines. C'est les femmes qui font la dentelle, ce n'est pas les hommes. Hein. Et donc, elles regardent bien et elles voient les bandes mieux que les hommes, je trouve. Bon, mais c'est moi qui leur ai appris à faire ça. Donc, moi, j'ai mis 6 mois pour connaître les chromosomes humains. Aujourd'hui, parce que j'ai appris dans des conditions difficiles. Maintenant, les choses sont beaucoup améliorées. Et j'ai appris en France, hein, et j'ai mis 6 mois pour les connaître. Maintenant, les résidents qui viennent dans mon labo, au bout d'un mois maximum, ils connaissent les chromosomes. Même s'ils sont des garçons. Parce que la qualité est améliorée, et parce que les techniques sont bien améliorées, etc. Après la coloration, c'est l'observation au microscope. L'observation au microscope. Alors, maintenant, avant, comment on faisait? Avant, on avait donc, c'est un microscope optique, évidemment, où il y a l'appareil photo. L'appareil photo là-dessus. Et quand vous regardez une belle mitose, vous la prenez en photo. Puis après, vous développez le film. Vous fixez le film et dans une chambre noire avec lumière rouge, vous tirez les photos. Et tout ça, c'est au labo. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un laboratoire photo dans le labo de cytogénétique. Alors, je ne vous dis pas la technicienne qui est dans la chambre noire pendant 6 heures par jour. Après, quand elle sort de la chambre noire, elle est totalement désorientée. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Et on faisait de la photographie au sein du laboratoire de cytogénétique. On a fait ça pendant des années. Quand l'informatique s'est développée, on ne fait plus de photos. Maintenant, il y a une caméra numérique sur le microscope. Cette caméra numérique envoie l'image à un ordinateur. L'ordinateur digitalise l'image. Il y a un logiciel qui permet de classer les chromosomes. Il met les chromosomes chacun à sa place, très rapidement. Et s'il se trompe, la technicienne change la place parce qu'elle peut se tromper, c'est semi-automatique. Une fois c'est bien classé, imprimé, et l'imprimante sort la mitose classée sur une feuille de dactylo. Et on regarde calmement la mitose, puis on fait le diagnostic. Voilà comment on fait maintenant. Ça nous a fait gagner beaucoup. Hein. C'était beaucoup d'acrobatie, hein, cytogénétique. Ça reste encore acrobatique, mais avant c'était très acrobatique. Toutes ces étapes-là sont difficiles et toutes les étapes peuvent être une cause d'échec. Voilà. Et surtout, lorsque vous débarquez dans
vous embarquez dans une dans un labo où il n'y a rien, quatre murs et un plafond, et on vous dit maintenant vous allez mettre en place la cytogénétique. La personne qui vous aide, la personne qui vous apprend quoi que ce soit, il n'y a pas de fournisseurs locaux, du milieu, il n'y a strictement rien. C'était les conditions dans lesquelles j'ai commencé. Et je vous assure que depuis 1987, nous n'avons jamais raté un seul caryotype. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des rendez-vous, on a fait des caryotypes. Ça m'est arrivé d'aller en pleine nuit à l'aéroport pour chercher un lieu de culture, qu'un de mes amis m'envoie de France pour que le lendemain je fasse la culture cellulaire parce qu'en Tunisie je n'ai pas trouvé le milieu. Etc. Et puis maintenant il y a plein de fournisseurs partout, il y a des milieux partout. C'est devenu automatique, c'est devenu simple, à peu près simple. Vous voyez ? C'est du combat. Voilà, donc ça c'est le caryotype.